that is. You know. I need that.
passer la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue, cher couple, Paul. Bienvenue, chers frères et sœurs, chers invités. Bienvenue dans ce temple. Welkom in de tempel. Nous sommes réunis dans la joie et la prière. Waar wij samenkomen in vreugde en gebed. Pour être avec Christian et Mamie. Om vandaag met Christian en Mamie te zijn. Qui se sont donné leur parole. Die hun woord hebben gegeven. Et viennent demander à Dieu. En die de Heer willen vragen. De venir leur union. Om hun samenkomst te zegenen. Et c'est une belle occasion pour nous en tant qu'église. Het is een mooie omstandigheid voor ons als kerk. D'exprimer à Dieu notre reconnaissance et aussi à ce beau couple notre amour, notre amitié. Je vous invite à la prière. Père de gloire, auteur du mariage, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes témoins de l'accomplissement de ta parole. Nous voulons bénir ton nom et saluer ta présence au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que la joie céleste soit notre partage. Et que tout, du début à la fin, soit pour ta gloire seule. La Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, sceller notre programme au tien. Je sais que tu as des surprises pour nous. Tu as un programme pour ce jour. Et nous voulons que ce programme qui vient de toi se réalise au milieu de nous. Sois au contrôle dans le moindre détail du déroulement de ce culte. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Comme je le disais tantôt, parce que nous avons été invités. Par ce beau couple, ainsi des considérations pour vous et moi. Cher Christian, Moï et Emmanuel. Geliefde frère Christian et broer en zuster Mamie. Vous avez décidé de vivre en couple dans la société. Nous avons vandaag besloten om als koppel te leven in de gemeenschap. Marié devant les hommes à la mairie. Getrouwd voor de mens, voor de, bij de gemeente. Vous avez voulu le dire ici dans ce temple. En hebt u het ook vandaag willen zeggen hier in de kerk. Pour demander à Dieu sa bénédiction. Om God zijn zegen te vragen. Sur votre union. Op jullie samenkomst. Et pour affirmer que ce couple que vous formez. Om te bevestigen de koppel die jullie zijn. Vous voulez le construire jour après jour. Jullie willen het iedere dag weer opbouwen. Sur la présence de Dieu. In de aanwezigheid van de Heer. Et sur l'évangile du Christ. En op de evangelie van Christus. Ici, hier vandaag. Vous affirmez votre volonté. Ik geef jullie de wil toe. De vivre ensemble. Om samen te leven. Dans le peuple que Dieu conduit. In het volk dat de Heer leidt. Interrogez sur le mariage. Een vraag over het huwelijk. Jésus a déclaré. Verklaarde Jezus. N'avez-vous pas lu que le créateur. Hebben jullie niet gelezen dat de schepper au commencement, in het begin les filles, hommes et femmes. Ze man en vrouw heeft geschapen? C'est pourquoi, en daarom chacun quittera son père et sa mère, zal iedere zijn vader en moeder verlaten et s'attachera à son conjoint, en zich verbinden aan zijn partner et les deux ne feront plus qu'une seule chair. En de twee worden samen één. Ainsi, en dus ils ne sont plus deux, ze zijn niet meer twee mais un. Maar ze zijn één. Que l'être humain dat de mens ne sépare donc pas
dus niet zal scheiden ce que Dieu a uni. Wat de Heer heeft samengebracht. Se marier dans une église chrétienne, het trouwen in een christelijke kerk, c'est affirmer un projet commun. Dan start je een gezamenlijk project. C'est témoigner de vouloir vivre ensemble. En getuigen dat je samen wilt leven. Vivre l'évangile et la vocation que Dieu vous propose. En dat je de evangelie en de roeping die de Heer je voorstelt wilt leven. C'est l'idéal de vie. En dat is een ideale leven. Il est résumé par le Christ lui-même. En het is samengevat door Christus zelf. Dans ses deux commandements. In zijn twee geboden. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Je zal de Heere God houden. De tout ton cœur. Met heel je hart. De toute ta pensée. Met heel je gedachten. De toute ta force. Met heel je kracht. De toute ton âme. En met heel je ziel. Et ton prochain. En je naaste. Comme toi-même. Zoals jezelf. Avec l'aide de Dieu. En met de hulp van God. Vous pourrez apprendre à aimer ensemble. Kunnen jullie leren om samen lief te hebben. Ce que Dieu mettra sur votre route. Wat God op jullie wegzet. Et désormais, en voortaan, de vous est plus proche. Et désormais, en voortaan, chacun de vous est plus proche de tous les prochains. Zijn jullie het dicht bij elkaar dan ieder, dan een ander? Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie mag zegenen. Nous vous aimons beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Bedankt, Madame la Présidente. Nous nous approchons lentement, monsieur, moi, pour écouter Dieu nous parler. We naderen het moment dat wij God willen horen spreken. Mais pour nous préparer à cette écoute, om ons voor te bereiden, we hebben invité notre chère chorale. Zullen we onze groep, onze koor voor naar voren roepen? Qui s'était aussi préparé en conséquence. Die zich ook heeft voorbereid. Et nous allons les encourager avec vos acclamations.
parler. Je demanderai que le diacre veille sur les vases dans le temple. Parce que Dieu veut nous parler. Oui, à côté de la mission de l'eau, à Outi Moussika. Degene die vandaag het woord komt brengen, komt van ver. À Outi, naar Angleterre. Hij komt uit Engeland. C'est un homme de Dieu. Het is een man van God. Je sais que nous serons édifiés. En ik weet dat wij bemoedigd zullen worden. Nous allons bien manger. En we zullen goed eten. Amen. Pour gagner du temps, je vais l'inviter lui-même aura la liberté de se présenter. Ik zal hem uitnodigen en hij zelf kan zich voorstellen. Et commencer aussi avec la parole. En dan kunnen we starten met het woord. Révérend. Sous les acclamations du peuple de Dieu. Als ze loopt in de straten, dan zal niemand begrijpen wat er gebeurt met deze vrouw. Maar op het moment is dat als een soort van kroon die ze draagt. Maar er is één persoon die de kroon van glorie draagt. C'est Jésus de la gloire. En dat is Jezus van de gloire. Een les daaruit kunnen halen. En het thema die we zullen bespreken.
Retiens ou bien garde ce que tu as. Bewaar wat je hebt. Afin que personne ne prenne ta couronne. Opdat niemand jouw kroon kan oppakken. Je dis que garde ce que tu as. Bewaar wat je hebt. Afin que personne ne prenne ta couronne. Opdat niemand jouw kroon kan oppakken. Et apparemment, si vous regardez sur votre tête, il n'y a rien. Waarschijnlijk je kijkt op je hoofd en je ziet niets. Je hebt geen fysieke kroon. Maar in deze zaal zijn er prinsen. Zijn er ook prinsessen? Oh, je kan het niet zeggen. In onze kerk in Engeland. Soms nodig ik Engelstaligen uit om te helpen. La force et l'amour de Jésus qui est dans cette église. En ze houden van de kracht en de liefde van Jezus die in de gemeenschap is. En wanneer we over zulke dingen spreken, de dominee met wie ik samenwerk, als ik naar de Congolese gemeente ga, dan voel je echt dat mensen antwoorden op het woord. Maar bij ons is het de mensen rustig. Et puis les Jésus opgestaan, ze kijken je aan. Maar ik zeg hier, amen. Garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Maar waar wat je hebt, dat niemand je kroon opneemt. C'est-à-dire, tu as une couronne. Dat wil zeggen, je hebt een kroon. Il y a des gens qui sont en train de chercher à prendre ce que tu as de valeur dans ta vie. En er zijn mensen die het waardevolle wat je hebt proberen op te nemen. Regarde un peu depuis que toi tu es né. En kijk eens sinds dat je bent geboren. Qu'est-ce que tu as de valeur dans ta vie? Wat voor waardevol iets heb je in je leven? Quelque chose. Je hebt iets. Dieu ne t'a pas créé pour rien. De Heer heeft je niet voor niets geschapen. Sommige mensen denken dat ze onnodig zijn. Alsof ze als toeristen op deze wereld leven. Maar u bent geen toerist. Zodra u begrijpt wat God in u heeft gezegd, zult u daar naartoe werken. Tu as une destinée à accomplir dans ta vie. U hebt een bestemming wat u moet brengen. En de Heer heeft u geschapen met een reden. Zij die het doel van hun leven nog niet begrepen, die zal daar ook niet naartoe werken. Dan ben je op de wereld. Maar u bent nog niet gestart in leven. Maar ik geloof met het woord van vandaag, als u terugkeert, zoals u vragen stelt van Heer, waarom hebt u mij geschapen? Waarom ben ik op deze wereld? Bewaar wat u hebt. Omdat niemand uw kroon opneemt. Nous commençons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire rapidement dans la salle? Vous je vais lire. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est à la fin de la Bible. Openbaring staat aan het einde van de Bijbel. Le dernier livre de la Bible, de laatste boek van de Bijbel. Apocalypse chapitre 3, nous commençons à partir du verset 7. Vanaf vers 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui mente, voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Qui avait acclamé Jésus hier? Dezelfde die Jezus dezezelfde menigte. Die schreeuwde op een dag kruisig. La foule peut vous acclamer aujourd'hui. De menigte kan u vandaag applaudisseren. Et demain, la
peut changer. Mais il y a aussi de bons conseils qui peuvent être tout autour de vous. Ce que je vous demande de garder aujourd'hui, c'est la parole de Dieu que vous écoutez. Gardez la parole de Dieu. Marchez dans la vérité. Gardez cette couronne que le Seigneur vous a donnée. Gardez cette autorité que le Seigneur vous a donnée. En nous, nous avons l'autorité. Jésus vous a donné ça. Gardez cette dignité qui est en vous. Ne tombez pas, prions. N'acceptez pas de n'importe quoi. En accepteer niet van alles en nog wat. Amen. Amen. Voilà la parole que vous devez retenir aujourd'hui. Het woord van vandaag wat u moet onthouden is: bewaar wat u heeft. Ne laisse personne prendre ta couronne. En laat niemand uw kroon afpakken. Aux yeux de Dieu, tu as quelque chose. In de ogen van de Heer bent u waardevol. Que l'ennemi ne vienne pas te dire que toi tu n'es. Laat de duivel niet komen zeggen dat u niks bent. De duivel komt om u te verpesten, te vernietigen. De strijd is in onze gedachten. En besef hetgeen wat God in u heeft geplaatst. Het woord wat u hoort, dat is het. Het verlies was een waardevolheid in onze leven. Bewaar wat u heeft. Amen. Amen. En op het moment dat u het woord van de Heer bewaart, zal de duivel proberen te komen op verschillende manieren, maar hij zal u niet krijgen. Waarom? Want God weet dat u niet krachtig genoeg bent. En dat u niet de naam van Jezus hebt verloochend. U hebt geen afstand gedaan van de naam van Jezus. En omdat u zijn naam niet hebt verloochend. Het is de synagoge van de duivel die zich Joden noemen. Maar die er niet zijn. Zij zullen komen knielen voor u. En zij zullen erkennen dat u. En dat is de synagoge van de duivel. Dat zijn de demonen van de wereld. Het zijn mensen die niet het goede voor u willen. Zij zullen op een dag komen knielen voor u. Alleluia. Zijn er mensen die strijden met het leven vandaag? Die voelen dat hun kroon afgepakt wordt. Dieu t'a donné quelque chose. De Heer heeft u iets gegeven. Ça peut être ce mariage dans lequel tu te retrouves maintenant. Het kan zijn het huwelijk waar u zich nu in bevindt. En met gemak zegt hij al, laat hem maar vertrekken. Ja, die vrouw mag vertrekken. Dat is het. En zo neemt u afstand van de kroon die God heeft gegeven. Laat die mama weggaan. Nee, er is een mogelijkheid om die kroon weer te bewaren. Alleluia. Amen. Laten we opstaan. Tu as une entreprise. Hebt u een onderneming? Tu veux faire quelque chose. Wilt u iets doen? Mais il y a une idée qui est en train de te tirer vers le bas. Maar er is een idee wat u naar de grond werkt. Conseil de méchant. Er zijn adviezen van slechte. Die u verpesten. Mais maintenant, ce jour, maar vandaag, op deze dag. Je wil dat u zegt, God, kom op mijn kroon. Wil ik dat u zegt, God, kom op mijn kroon. Ik wil mijn kroon terugkrijgen. Je vais reprendre ma couronne. Ik wil mijn kroon weer terugkrijgen. Oui, même tes enfants sont devenus impossibles. Zelfs uw kinderen zijn onmogelijk geworden. Tu as perdu toute la responsabilité que tu avais. U bent de verantwoordelijkheid verloren die u had. Tu as perdu toute l'autorité que tu avais. Iedere autoriteit die u had hebt u verloren. Tu peux reprendre tes enfants. U kunt uw kinderen terugpakken. Tu peux dire au Seigneur, mes enfants sont ma couronne. U kunt zeggen, mijn kinderen zijn mijn kroon. Je vais les récupérer aujourd'hui. Ik zal ze terugpakken vandaag. Je me confesse maintenant cette parole de Belijd deze woord van waarheid. La Bible dit que puisque tu as gardé ma parole, de Bijbel zegt omdat u zich hebt gehouden. Je te garderai aussi au jour de la tentation qui va venir sur le monde. Zal ik u ook behouden voor de verleiding die u gaat ontvangen. Afin que tu ne puisses pas trébucher. Omdat u niet zal wankelen. Tu ne seras pas ébranlé par les événements de ce monde. U zult niet overweldigd raken van de dingen van de wereld. Et si tu étais ébranlé. En als dat gebeurt, dan wil ik u vragen om vandaag weer te komen. For your mercy never fails me. All my days
I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Regarde d'abord ici. Every good is a curse.
mariage, ma vie, le faire, le avancer. Fais ma life, you have suivi de Patrick Foy ici et là. Merci beaucoup. Et pour gagner du temps, donc, waarom de tijd te winnen, au nom de Christian et mamie, in de naam van de koppel, nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation. Dank ik jullie allen dat jullie zijn gekomen. Bientôt, on aura fini, on terminera notre culte. Onze dienst is bijna afgelopen. Et ne partez pas sans prendre votre vin d'honneur. En vertrek niet zonder dat u iets hebt genuttigd. Ne prenons pas parce que nous faisons la course à la montre. Maar we rennen nu achter de tijd. Parce que à 17h déjà la salle est ouverte. Want om 17 uur is de zaal open. Et si vous voulez voir le couple faire leur entrée. En als je de couple naar binnen wilt zien komen. À 18h il faut être au rendez-vous. Dan moet je om max 6 uur daar zijn. Nous sommes l'église évangélique de La Haye. Wij zijn de evangelische kerk van Den Haag. Nous nous retrouvons ici tous les dimanches. En wij komen hier iedere Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé sans relâcher ton amour. N'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. En toute circonstance, je serai comblé, car tu es, je n'ai que toi. Thank you.
abanana ngana mabele Yesu akolisanga na bozambe na ye abisanga loboko potoke na ye binanga mwana kobangelo kote uye kuyai anango poesi kumama nango likolo isoya binanga ibikolo banana kubuta ye ikolo Yosu ya vina ngayi Ikolo Balana ngayi Ikolo Ale ngande Ale nakuna mana ye Kalande ngatopoli Ngale loe Kalande nakuna mana ye Na Yesu Kalande ngatopoli mana ye Ale loe
Batumbaye Ebele. Ebele Makes. Baouti Londres. Baouti Paris. Namoko Baouti Kinshasa. Baouti de partout. Oui, bah, on va y aller, on va outil Londres, on va salir. Bana Londres, va salir. Bana Londres, va salir. Est-ce que Bana Paris peut vous salir? Belgique, ça. Bana Bella, va salir. Bana Lola. Lola, Lola, Lola. Et bon, bon, là, on a dit. Bana Hollande, Kaemba, va salir. Hollande, Zandé. Bana. Et Allemagne, vous allez. Alors nous avons une surprise pour les mariés. Sans plus tarder, voilà. Nous allons appeler notre Jiveline. Jiveline, il est là. Jiveline, la star. Jiveline, acclamons tout est fort, très fort, très fort, très fort. Alors, tu mets ta maman pour la Jiveline, va chanter. Voilà. Surprise, voilà. On va marier la bon, Jiveline va faire une surprise rapidement. Et ensuite, on va passer par des choses très, très sérieuses. Jiveline. Na bazela que eu sou na leca aqui, me lembro na
Allez, t'en fais pas.
ngamba mabala libalo sukali moko nio sera même le disque guna gu en tout cas merci.
Thank you.
Thank you.
des cadeaux, le temps de demander à l'église de se préparer. Et les enfants de Christian, les neveux, les nièces, préparez-vous au fond. Le cadeau à l'église, préparez-vous déjà. Ensuite, nous allons passer à l'autre étape de la soirée. Car il faut dire que l'heure, c'est l'heure. Merci encore une fois à Mathieu Kouba. I love you, l'administrateur des administrateurs, l'homme, le vrai, le bâton. Voilà, il est avec nous ce soir. Et nous remercions Patou, Makana. Merci d'être là ce soir, Patou. I love you, pour l'équipe Arco. Merci de ta présence, Mathieu Mouba. Il est très fort. Thank you.
Voilà, on va passer à l'église. Tes sœurs vont remettre la musique, Iwana. Ma maman est église Nini. Église évangélique, t'es là. Église évangélique.
Thank you.
Tout ça, maman.
Thank you.
Come on.
Thank you.
couple de biseaux alimentaires, nous le si bien. La bonne apprenne à biseaux à alors, d'autant des amis, mon maman, quand il y a de la bisaké dans les balles, il faut. Bien à yo, vous avez bien à moi si na yo, à moi si na yo, à yo. À l'occasion, à part des airs, à bisous, nous sommes. Non, on va la gérer, gérer. Romain, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le je vous annonce après ici, depuis sa amnésie d'or. Famille qui a passé de la peine de Père, je le sens. Angèle Sigui, Azara Pissolomon, tel est comme un livre qui fait aussi dans la peine. Lutte contre la jeunesse de nos livres, Tata, Moissy, Kidok, Réma Manandaï, Serna Naïo, Yara Mermoni de nos livres d'air, Kidok aussi la carrière. Je passe par là.
Oh,
Alléluia.